Nouveau dérapage pour Jean-Marie Bigard. Ce samedi, une manifestation contre le pass sanitaire était organisée au départ du Trocadéro, à Paris. Parmi les contestataires, Jean-Marie Bigard, par ailleurs présent au rassemblement anti-masque du 15 mai dernier à Lyon, qui s'est exprimé au micro de RT France, alors qu'il défilait dans la rue. Si est-il une honte nationale, s'est écrié l'humoriste. Il faut absolument mettre un signe distinctif comme on l'a fait pour les Juifs à la Deuxième Guerre mondiale. Face à la réaction gênée du journaliste, Jean-Marie Bigard a commencé à s'emporter. Bah pourquoi? Dis-moi, a-t-il vociféré avant d'ajouter, à un niveau sonore croissant, si est-il pas plus pratique de nous mettre un signe pour dire je ne suis pas vacciné? Il poursuit, je vais guérir tout seul avec mes anticorps, j'ai pas besoin qu'on m'injecte une merde qui ne va m'apporter que des emmerdements. Après avoir sous-entendu que le vaccin était inutile puisqu'il ne permettait pas de ne pas attraper le virus, ni de ne pas le transmettre, Jean-Marie Bigard a directement invectivé le journaliste, alors? Pourquoi je me ferais vacciner? Donne-moi une raison, vas-y. Si t'as des CUI, vas-y. Tu poses des questions, réponds. Une sortie de route assez virulente qui lui a apporté pas mal de commentaires négatifs quand Jean-Marie Bigard accusait les laboratoires de vouloir gagner du fric. Habitué des polémiques, l'humoriste avait déjà fait grincer des dents sur le plateau de TPMP en octobre dernier, toujours sur le sujet de la crise sanitaire. Jean-Marie Bigard avait en effet déclaré que les laboratoires voulaient absolument qu'il n'y ait pas de traitement pour le Covid et que ce qu'ils voulaient, c'était gagner du fric. Des propos vite recadrés par Cyril Hanouna et Bernard Montiel, qui avaient répondu aux comédiens : « Tu ne peux pas dire ça, tu n'es pas responsable en disant ça ».